feu. Je vais vous montrer. Rejoins. Il est au courant, Marty. C'est lui qui l'a allumé. Oh oui, c'était pour prévenir. Merci, Marty. Quelquefois, on allume de petits feux dans des boîtes en métal pour s'exercer à les éteindre. Prêt pour l'eau, coach? Avec l'eau, on vise le bas des flammes. C'est la meilleure façon d'éteindre un feu. Vous êtes à vous l'essayer. Il n'y a pas de problème. On utilise des tuyaux tout le temps. Oui, c'est exactement comme pour arroser son jardin. En fait, ce tuyau est très différent des tuyaux de jardin, Sarah. Il est lourd et l'eau en sort si fort et si vite qu'il faut le tenir fermement. Et c'est pour cette raison que vous tiendrez le tuyau tous ensemble. Allez, tout le monde attrape le tuyau, por favor. Est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Oui. Oui. C'est bon, coach. Ouvrez la manguera, le tuyau, por favor. Ah, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? Les outils, je crois que vous serrez trop le tuyau. Regardez. Tâchez de s'améliorer. Je vais chercher des serviettes. Beaucoup de serviettes. Il s'agit d'un parcours d'obstacles. C'est là qu'on apprend à se déplacer rapidement, même quand il y a des choses sur notre chemin. C'est là qu'on s'entraîne à sauver les gens qui sont dans des immeubles. Comme ça, quand vous serez dans une situation d'urgence, vous serez prêt. Pour être un bombero volontaire, il faut être capable de faire ce parcours d'obstacles en moins de 2 minutes. C'est parti, coach. Allez-y. D'abord, il faut traverser le tunnel en rampant. Ensuite, monter à la escalera à l'échelle. Après, il faut secourir Charlie, le mannequin d'exercice. Même si ce n'est qu'un pantin, il pèse le poids d'une vraie personne. De cette façon, vous saurez ce que c'est que de sauver quelqu'un pour de vrai. Vous devez faire tout ça en moins de 2 minutes. Au travail, coach. 1 minute et 40 secondes. Est-ce que ça va, Charlie? Moi, c'est Marty, je suis un marteau. Marty, c'est un vulgaire pantin. Tourny, ne dis pas ce genre de choses, tu vas lui faire de la peine. Et ça recommence. À vous, les outils. Prêt pour votre premier essai de parcours d'obstacles? On aura besoin que d'un seul essai. On réussira du premier coup, pas de problème. À vos marques. Prêt? Partez! Dans le bon travail, les outils. C'est bon, on est arrivé à l'échelle. Je suis absent. Vous devez aller vite, mais pas aussi vite, les outils. Tener cuidado es muy importante. Être prudent est très important. Vous avez bien grimpé à l'échelle, bravo. Maintenant, il faut sauver Charlie. Wow, Charlie est lourd. On va tous le soulever en même temps. Oh, très bonne idée, mamie. Ne t'inquiète pas, Charlie, tout se passera bien. Uno, dos, tres, on lève. Travaillez encore. Vous devriez tous descendre et ce sera fini pour la journée. Il se fait tard. Ne vous en faites pas, vous allez vous améliorer. Gracias, tout le monde. Hasta mañana. Je vous revois tous demain. Gracias, chef Eduardo. Merci, chef Eduardo. Eh ben, il y a quelqu'un qui s'est bien amusé aujourd'hui. Au revoir, Charlie. Désolé de t'avoir jeté du haut de l'immeuble. L'entraînement était vraiment très, très difficile. Ah oui, ça, c'est certain.
n'a pas du tout été à la hauteur. On a laissé tomber quelqu'un d'un toit. Même si ce n'était qu'un vulgaire pantin. Il n'est pas vulgaire, Charlie a beaucoup de classe. Peut-être que quand on fera continuer cet entraînement, Manny. Écoutez-moi, les outils. Je sais que c'est difficile et que vous risquez de ne pas réussir la première fois, ou la deuxième, ou la troisième, ou encore la quatrième, ou même la cinquième. Mais un jour, ce sera possible. Il suffit de s'y tenir. Ben, s'il faut s'y tenir pour réussir, on va avoir besoin de force. Non, Marty. S'y tenir, ça veut dire continuer d'essayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand j'étais encore un enfant, je pensais que je n'arriverais jamais à faire tout ce que font les grands. C'est alors que mi papi m'a dit: tu renonces facilement, mon petit. Faut que tu t'accroches, oui. Approche-toi. Si tu renonces, tu n'y arriveras pas. Maintiens le cap et tu réussiras. Essaie encore. Si tu échoues la première fois, et si tout a l'air vraiment compliqué, écoute bien le conseil que voilà. Pour réussir, il faut s'exercer. Lorsqu'encore et encore, encore tu persévères, ce qui était difficile devient facile à faire. Faut que tu t'accroches, oui. Accroche-toi. Si tu renonces, tu n'y arriveras pas. Maintiens le cap, tu ne réussiras. Essaie encore. Je me suis trompé souvent. Oui. J'ai fait des erreurs, j'ai eu tort. Et si tu y mets le temps, tu gagneras. On ne pourra pas être fait. Ça, c'est certain. Bienvenue à tous pour cette nouvelle journée d'entraînement. Cette fille, tu devras apprendre à comment on devient un champion. On peut tout faire sauf le parcours d'obstacles aujourd'hui. La marche de l'escalier est cassée. Bonjour. Il n'y a pas de problème, on peut réparer cette marche. Ah mais Manny, si on répare la marche de l'escalier, on va devoir faire le parcours d'obstacles. Réparer ce qui est cassé, c'est notre travail, Molo. Oh non. J'ai du bois dans mon camion. Voilà, c'est comme neuf, chef. Fantastico. À présent, on peut s'entraîner. Attendez, je crois que l'escalier a encore l'air d'être cassé. Mais Molo, qu'est-ce que tu racontes? C'est tout réparé. Normal, c'est moi qui m'ai cloué. J'utilise un marteau. Molo, ça m'a l'air parfait. Bon, allons-y les amis. On va commencer l'entraînement. Bien, rappelez-vous les outils. C'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Ça peut prendre du temps, mais si vous travaillez dur, vous y arriverez. Faut que tu t'accroches, oui. Accroche-toi. Si tu renonces, tu n'y arriveras pas. Trompé souvent, j'ai fait des erreurs.